Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur du renforcement musculaire, toujours sur un format court. Renforcement musculaire aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de chaussures, on ne va pas sauter dans tous les sens. Ça va être un renforcement musculaire basé sur du mouvement et des placements, d'accord? Donc il y aura plusieurs règles à respecter pour le faire correctement. On va être pas mal en appui sur les poignets, d'accord? Donc si vous avez des petits soucis en appuyant sur les poignets, on essaiera de trouver d'autres formules sur les genoux pour soulager le poids ou alors sur les avant-bras, mais ça va pas forcément être possible à chaque fois. Échauffez-vous bien les poignets, normalement ça devrait le faire. Si on essayera de ne pas aller trop longtemps sur l'appui sur les poignets à chaque fois, ou en tout cas faites des pauses si vous avez besoin. Donc les règles à bien respecter, c'est le placement du corps, c'est-à-dire que le dos doit être toujours bien fixé, les épaules mis en arrière, d'accord, de leur cavité, pour bien placer l'articulaire au niveau de l'équilibre devant-derrière. Les abdos vont être bien serrés vers l'intérieur pour qu'il n'y ait pas trop de mouvement au niveau du bassin, d'accord, puisqu'il va y avoir beaucoup de renforcement du tronc et de mobilité articulaire des hanches et des épaules. Donc à chaque fois, il faudra bien penser à se replacer et à se fixer solide au niveau du centre du corps. Donc les abdos vers l'intérieur, le plancher pelvien serré. Okay, on commence par la petite mobilité articulaire de début de séance et on enchaîne assez rapidement sur les exercices. Donc on vient tranquillement tourner ses épaules dans un sens et ensuite dans l'autre. On commence déjà à s'oxygéner. Bon, avec tout ça, j'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop stressant et que vous pouvez continuer à regarder les vidéos et à les suivre pour faire du sport. Donc on vient faire son petit travail de coordination ici avec le buste qui vient tourner en même temps à droite et à gauche. J'espère que les vidéos vous conviennent pour le moment et qu'on peut continuer à en faire tant que c'est possible pour moi et tant qu'on est confiné. On change de sens si c'est faisable, avec plus ou moins de rapidité, plus ou moins de coordination et d'ouverture de buste selon vos possibilités. D'accord ? Petite mobilité des coudes, puisqu'on va s'en servir un petit peu. On va être en appui, je le rappelle, un petit peu sur les mains, sur pas mal de mouvements, au sol, debout, etc. Donc ça va être différent de la première vidéo où on était plutôt sur du cardio, un petit peu sur la fin de séance. Ici, mobilité des poignets, d'accord, on appuie un peu, on fait tourner un petit peu ses poignets. On va appuyer d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, pour bouger un petit peu au niveau articulaire les poignets. Mobilité de hanche, on le refera juste après. Il y aura un petit passage d'équilibre aussi sur le début de séance, d'accord, on va travailler l'équilibre sur une jambe puis sur l'autre. Donc, mobilité de hanche dans un sens et dans l'autre, même chose de l'autre côté. Si vous avez commencé à regarder les vidéos, si vous suivez déjà mes cours, vous connaissez bien cette routine. Change de sens, pédalage, donc toujours pareil, je fais la même routine pour que vous l'ayez bien en tête. Ça vous permet de rentrer dans la séance facilement, rétro-pédalage, et de vous remettre cette petite routine de mobilité articulaire après pour vous, pour n'importe quelle activité physique, qu'elle soit chez vous ou en dehors, quand on pourra retourner voir le monde extérieur. Rétropédalage, en attendant, on reste chez soi et on essaie de passer le temps si on a du temps à passer. Sinon, on télétravaille, on s'occupe de ses enfants, on fait de la couture, on fait du ménage, on fait la cuisine, on fait des dessins, des coloriages. Sur internet, il y a plein d'activités, hein, plein de personnes qui ont mis différents exemples d'activités, donc n'hésitez pas à les regarder, hein, si vous en avez besoin, si vous manquez d'imagination, ou si vous voulez, vous avez utilisé tout ce que vous saviez faire. Mobilité de cheville, dans les deux sens. Alors, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas trop gâcher au niveau du son. Et puis si vous êtes pieds nus, vous pouvez faire les orteils, d'accord, en bougeant un petit peu ses orteils, ça leur fera pas de mal de bouger un petit peu. Torsion cervicale, à droite à gauche, le buste reste fixe, tête fixe, bassin fixe, torsion du buste, on commence déjà à engager au niveau abdominal. Pensez à vous oxygéner, à bien respirer. Donc la respiration sera principalement thoracique, puisqu'on sera tout le
temps serré au niveau du transverse abdominal, du muscle profond au niveau abdominal, puisque le ventre sera poussé vers l'intérieur. Donc on est principalement sur une respiration thoracique sur la partie haute du buste. C'est une respiration pour le sport, pas pour la vie de tous les jours. Ici, élévation d'un côté et de l'autre, en inclinant légèrement le buste à chaque fois, toujours avec l'accent abdominal fixé, toujours en respirant bien. Inspire, expire. Inspire, ouvre, expire, enroule. Inspire, ouvre, expire, enroule. Mobilité, épaules et colonne vertébrale. Allez, on part sur la mobilité du haut du corps. Rotation externe des épaules. Donc l'épaule vient tourner vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. L'extérieur, puis vers l'intérieur. Soit on tourne tout le bras complet. Pas juste les poignets, pas juste l'avant-bras, mais vraiment ça part de l'épaule. Soit vous arrivez à bloquer à chaque fois la main et vous ne tournez que les épaules en se concentrant un peu plus sur les épaules. Si ça marche, au fur et à mesure, on vient élever les bras pour les amener à hauteur d'épaule. Quand on arrive à hauteur d'épaule, on fléchit les bras à 90 degrés, d'accord, pour les monter et les descendre. L'articulation du coude est verrouillée, en aligné avec mon épaule, je monte et je descends. Les deux bras en même temps, là, moi je suis obligé d'utiliser qu'un seul bras pour vous montrer. Sinon, on a les deux bras en même temps qui montent et qui descendent. Le dos est bien grandi, le centre du corps est fixé. Rotation externe, rotation interne, rotation externe, rotation interne. On reste ici, élévation, je remets en bas. Élévation, je remets en bas. Lorsqu'on fait l'élévation, on essaye de ne pas trop décrocher au niveau articulaire l'omoplate. On reste fixé avec des omoplates fixées. D'accord. On monte, on descend, toujours en respirant bien. Ça commence à chauffer tranquillement dans les épaules. C'est juste pour réveiller les épaules avant la suite. Ensuite, on reste ici, on vient fermer devant, ouvrir. Fermer devant, ouvrir. Donnez une contraction volontaire au niveau des pectoraux lorsque vous fermez et une contraction volontaire au niveau du milieu du dos lorsque vous ouvrez. Gardez bien le centre du corps fixé. Ça chauffe tranquillement dans les épaules normalement. On reste ici, on tend les bras à nouveau, rotation interne, rotation externe, avec tout le bras ou seulement les épaules. Ça redescend. Normalement, on commence à bien sentir que les épaules sont bien échauffées. On va refaire un deuxième tour, on remonte. Rotation interne, rotation externe, pensez à toujours bien vous oxygéner. On ramène les mains et les bras à hauteur d'épaule, flexion à 90 degrés, rotation externe, rotation interne. Pensez à toujours vous oxygéner, à vous rester grandi et le centre du corps fixé. Je répète sans cesse les mêmes choses. Vous les avez bien en tête. Ça va vous marteler dans le cerveau. Comme le rester chez vous vous martèle le cerveau en ce moment. En haut, je tends, je fléchis, extension, flexion. Extension, flexion. Ça chauffe tranquillement dans les épaules. Si ça chauffe trop, vous relâchez une seconde et puis vous reprenez. Flexion, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Serrez toujours au niveau abdominal. Inspire, expire, ça va vous aider en même temps. Et comme jamais 203, on refait une dernière fois. Donc on redescend. Ah, il faut redescendre avant de recommencer. Hein. C'est pas tout de suite en flexion. Il y a toujours hop, cette mobilité épaule. Puis on remonte. Alors avec tout le bras, si vous avez besoin de tout le bras, si vous n'avez pas besoin, essayez de vous concentrer sur la mobilité uniquement des épaules. À hauteur d'épaule, flexion et c'est parti. Ici. Là on sent bien, bien, bien le réveil articulaire, bien le réveil musculaire des épaules. Les épaules sont bien fixées dans l'arrière de la cavité. N'allez pas décrocher et faire un dos rond. D'accord, on a un dos grandi fixé. Là pareil, je fixe bien mes épaules à l'arrière de la cavité. Extension, flexion des coudes, le dos bien droit, les abdos serrés. On est bien placé, bien oxygéné. On va réveiller les épaules. Normalement là, elles sont pas mal chaudes. Flexion, je ferme devant et j'ouvre. Je ferme devant et j'ouvre. Allez, encore un petit peu. Donc là, j'ai pas compté exactement le même nombre de reps. C'est au feeling, hein. C'est comme ça. Pas forcément obligé de compter à chaque fois. Peut-être qu'ils vont vous dire le contraire, mais c'est pas grave. Comptez si vous avez envie de compter, si vous êtes quelqu'un qui aime bien
tout faire respectant scrupuleusement un chiffre particulier. Vous en faites 10 par mouvement. On relâche un peu, normalement on est pas mal ici. Ensuite, mobilité au niveau des hanches. Donc là, on va commencer à être en appui sur une jambe puis sur l'autre. Donc ça va demander un peu d'équilibre. Pour s'équilibrer, je suis bien érigé, bien grandi. Je fixe ma sangle abdominale. Je garde un point fixe loin devant moi. D'accord ? On va se mettre sur une jambe. Ici, la cuisse à 90 degrés par rapport à la hanche. Ensuite, on vient faire une rotation interne de la hanche et rotation externe. Rotation interne, rotation externe. D'accord ? Interne, externe, interne, externe. Ok ? Si ça ne tient pas, prenez quelque chose qui vous permette de vous soutenir d'un côté ou de l'autre. Ensuite, ici, on reste toujours le même appui, l'appui sur la même jambe. Ouverture de hanche, fermeture de hanche. Le bassin reste fixe. Ouvre et ferme. Bassin fixe, dos fixe placé. Les abdos restent bien fixés. Ouvre et ferme. D'accord ? Ensuite, on reste fixé ici. Extension de jambe, flexion de jambe. Si c'est trop haut, vous faites comme vous pouvez. Vous redescendez un petit peu. D'accord ? Si vous n'arrivez pas à garder la jambe à 90 degrés. On demande un peu de souplesse. On redescend. Ça commence à chauffer. Même chose de l'autre côté. Je fixe. Je me stabilise. Les épaules bien en arrière. Bien stabilisées au niveau du dos. Interne, externe. Pour chauffer autour de la hanche. On essaie de ne pas trop se déséquilibrer. Si on a besoin d'un point fixe, on prend un point fixe. On fixe ici. Ouverture, fermeture avec un bassin stable. Inspire, expire. On a nos amis les corbeaux hein, qui font pas mal de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez fort dans la vidéo. J'ai des arbres avec des corbeaux qui sont plantés là-bas. Extension, flexion. Chez les voisins, il y a les corbeaux qui n'arrêtent pas toute la journée. Allez, on pense à bien s'oxygéner. On sent comment ça se sentir la cuisse qui a bien se réchauffer. On revient ici, on refait la même chose de l'autre côté 5 fois. Allez. 1, 2, 3, 4, oui je compte. 5. 1, 2, sans tomber. 3, 4, 5. Devant. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre jambe. On se place. 1, 2, 3. 4, 5, ouverture, 1, 2, 3, 4, 5, extension, flexion, 1, 2, 3, 4, 5, on stabilise, on se refixe à nouveau, épaule en arrière, basse, grandie. Je place les bras en haut avec les omoplates fixées, d'accord, fixation des omoplates vers le sol, mes abdos sont serrés, je vais venir ici, donc ramener une jambe fléchie devant et je viens faire une extension de jambes et de bras ici dans l'alignement. Expire, inspire, expire, inspire, mes abdos sont bien serrés. Expire, inspire, 3, expire, inspire, 4, expire, inspire, 5. Je change de jambe, je me place, je me fixe de l'autre côté, pardon, expire, inspire, 1. Expire, inspire, 2. Forcez la connexion en poussant les abdos vers l'intérieur. 3, expire, inspire, 4, expire, inspire, 5. On ramène ici, on le refait encore une fois. De l'autre côté, donc je me place, toc, fixation épaule omoplate. Expire, inspire, abdos serrés. Expire, inspire, 2. 3, 4, bien précis. 5. Autre côté, place, stabilise, serre, grandit, épaule omoplate, expire, inspire, 1, 2, 3, 4, 5. On vient se placer dans l'allongement de son tapis ici, on grandit son dos, on serre les abdos, on fixe les épaules et les omoplates, on grandit sa colonne vertébrale. On peut placer les mains au niveau des clavicules en gardant le soin de garder les épaules dans l'arrière de la cavité. Abdos serrés, on déverrouille légèrement les genoux, on pousse les hanches en arrière, on essaie de garder le dos le plus droit possible pour venir à la parallèle du sol, d'accord, venir à l'équerre ici.
et on remonte en serrant les fessiers. D'accord ? On descend. Et on remonte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si vous êtes à l'aise au niveau des ischio-jambiers, vous pouvez garder les jambes tendues en allant doucement sur le mouvement. Permettre d'allonger un petit peu l'arrière des cuisses. D'accord ? On allonge tranquillement l'arrière des cuisses. Donc là, on va chauffer au niveau du dos, au niveau des lombaires. On reste bien fixé, presque en lordose quand on est en bas. D'accord ? Presque en dos creux, si je puis dire. Presque. On est ceinturé au niveau abdominal, là. On a fixé ses abdos. Ensuite, ça ne va pas être évident, on va rester ici. On se met en appui sur une jambe. On vient grandir l'autre ici. Soit on met les bras là, soit on place les bras dans l'alignement en fixant ses épaules omoplates. Ensuite de là, on vient expirer pour lever la jambe, inspirer pour descendre. Expirer pour lever la jambe, inspirer pour descendre. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. On revient. On garde les abdos serrés. Si vous relevez sans serrer les abdos, vous risquez de vous faire mal au dos. Donc toujours bien serré au niveau abdominal. On se refixe, on se replace, on descend. On tend l'autre jambe, donc on se met en appui sur l'autre jambe. Légèrement fléchi ou tendu, ça va dépendre de votre capacité à vous placer, d'accord, et de votre musculation au niveau du genou. On monte et on descend. On monte et on descend. 2, 3, 4, 5. On ramène, on fixe bien. Et on se replace, d'accord. On va le refaire une fois de chaque côté. Je fixe mes épaules omoplates, je me stabilise, jambes légèrement déverrouillées ou tendues selon vos possibilités. On pousse les hanches en arrière en grandissant dos. On bascule le poids de corps sur une jambe, on tend l'autre jambe derrière, on fixe, épaules omoplates, on se place, expire, monte, inspire, descend. Expire, monte, inspire, descend. 2, 3, 4, 5. On replace ici, on remonte, on se replace ici, on commence à sentir que ça serre dans le dos, c'est normal. On refixe ici, on reprend sa position, jambes tendues, placées, grandit, stabilise, expire, inspire. 1, les omoplates sont fixées, les abdos sont fixés. 2, 3, 4, 5. Et on remonte ici, d'accord ? On relâche un peu son dos. Alors, on peut reprendre. Donc, on va continuer avec l'enchaînement au sol. Je vais vous montrer. Vous allez essayer de le faire en même temps. Ça ne va pas être évident. Il y a plusieurs règles à respecter. Je le rappelle, les épaules bien fixées, les abdos bien fixés et le dos bien grandi. On va commencer à l'arrière de son tapis. D'accord ? On se fixe bien. On stabilise le corps. On a les jambes légèrement fléchies. On descend au sol, les mains au sol. Ici, on va faire quelques pas pour avancer, se placer en planche, quelques pas pour revenir. Quelques pas pour avancer, se placer en planche, quelques pas pour revenir. Si c'est trop difficile, on fait la même chose sur les genoux. D'accord ? Quelques pas, je reviens. Quelques pas, je reviens. Quelques pas, je reviens. Une dernière fois ici, je me place ici. Donc là, je pars de la planche pour aller pousser les fesses vers le haut et faire un chien tête en bas. Donc j'amène la tête vers le sol, je m'étire, je m'agrandis. Pareil, si c'est difficile de le faire sur les mains, on le fait sur les genoux. On essaye de décoller légèrement. Et sinon, on peut se placer sur les avant-bras, selon vos possibilités. Chien tête en bas. Ensuite, on revient en planche ici. On se stabilise à nouveau. Et là, on va venir faire des flexions avec le dos droit, les abdos serrés et des extensions de jambes. Flexion, extension. 2, flexion. Extension, flexion, extension, le dos le plus droit possible. Les épaules sont placées à l'arrière ici, on n'a pas le dos creux, on est bien stabilisé. Rotation externe au niveau des épaules. Flexion, extension, flexion, extension. Ok, ensuite on stabilise la planche et on vient lever un côté et l'autre. Un peu plus si on peut. D'accord ? On en ouvre complètement si c'est faisable. D'accord, si vous arrivez à ouvrir complètement, vous venez ouvrir complètement. Vous pouvez faire la même chose sur les genoux si c'est trop dur, ou sur les avant-bras si les poignets vous font trop mal. D'accord ? Une fois qu'on a terminé ce mouvement, on fléchit les jambes, on pose un pied à l'intérieur
et on se tourne, d'accord, pour se placer ici en chaise, en araignée ou alors en table basse. Les doigts sont vers l'avant ou en ouverture 90 degrés, d'accord, à 45 degrés, pardon. Mais mettez pas vos doigts vers l'arrière. C'est les épaules qui restent en arrière et le dos qui reste grandi. Mes coudes sont légèrement déverrouillés. Je pousse mes hanches le plus haut possible et je me stabilise. Une fois que je suis là, je viens décoller un pied, donc plus ou moins haut selon vos possibilités. D'accord ? Si c'est vraiment difficile, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. D'accord ? Et pareil, décoller un pied. Ok ? Pour les stabiliser, on a fait plusieurs fois sur une jambe, on fait plusieurs fois sur l'autre jambe. 5 à peu près par jambe, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va venir s'asseoir ici, se grandit et on va faire quelques passages au niveau abdominal. Donc là, je fixe mes épaules en arrière, je grandis mon dos. J'enroule la colonne, on expire, j'inspire au sol, j'expire, je me replace. Inspire, expire, inspire, expire. D'accord ? Expire, inspire. Expire. Expire. Avec les abdos qui poussent vers l'intérieur, ça c'est important. D'accord ? Et de ne pas décoller la tête en première. Et si je ne décolle pas la tête en première, je décolle tout le haut du buste. Ok ? Pour me replacer. Inspire, expire. Quand on en a fait suffisamment, on vient se placer au sol ici, les épaules complètement collées contre le sol, le dos grandi. J'enroule mon bassin et je pousse mes hanches vers le ciel. D'accord ? Rapprochez un petit peu vos talons vers les fesses. Enroule, monte et descend. Monte et descend. Serre bien les abdos vers l'intérieur. Pensez bien à enrouler votre bassin pour ne pas avoir un dos creux lorsque vous êtes en haut. D'accord ? Vous montez, vous descendez. Montez, vous descendez. Ensuite, on reste là-haut et on maintient la posture. D'accord ? On reste un instant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, on redescend, on place les jambes en chaise renversée, le centre du corps est fixé, les abdos sont fixés, mes lombaires sont vers le sol, jambes fléchies, jambes tendues, on amène les jambes derrière, d'accord, c'est pas faisable de faire le mouvement complet, faites des petits mouvements, d'accord, on amène vers l'arrière et on revient, on amène vers l'arrière et on revient, sinon on le fait jambes tendues, expire, inspire, expire pour revenir, retiens bien le retour pour ne pas creuser le dos. Fixe bien les abdos. Là, je déroule vertèbre par vertèbre pour revenir. J'enroule. Je déroule vertèbre par vertèbre. Ensuite, on vient relâcher, basculer sur le côté. On s'allonge sur le côté, on fixe ses épaules omoplates, bras fléchis, bras tendons comme on peut. On fléchit la jambe de sol ou on l'attend. On pousse les hanches, on essaye de rééquilibrer son buste ici, épaules en arrière. Je décolle légèrement la jambe pour qu'elle soit alignée avec ma hanche et je viens faire quelques cercles dans un sens, quelques cercles dans l'autre. 1, 3, 4, 5, quelques cercles dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5, quelques cercles dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. On passe de face, on rétroverse bien le bassin, d'accord ? On fixe bien sa rétroversion de bassin pour décoller le crête iliaque et essayer de ne pas écraser le ventre au sol. On replace les épaules, omoplates, on grandit son dos. On reste au sol ou on décolle du sol, c'est comme vous voulez. Et on élève bras et jambes opposés. D'accord ? Bras et jambes opposés. Le dos est grandi, serré. Omoplates placées. D'accord ? Décrochez pas vos omoplates fixées. Pardon, bras et jambes opposés. Je monte et je descends. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. D'accord ? Quand on a fini, on fait la même chose de l'autre côté que tout à l'heure. Hop, je me place, je me fixe et serre. 1, 2, 3, 4, 5, change. 1, 2, 3, 4, 5, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, change. 1, 2, 3, 4, 5. On revient de face ici. On se redresse légèrement. On vient positionner les mains au sol. Rotation externe des épaules. Engagement des épaules vers l'arrière. Je pousse le milieu du dos vers le plafond. Je rétroverse mes hanches.
bassin vers l'avant, et je m'aligne. J'essaye d'aligner le dos avec mes jambes. Une fois que je suis aligné ici, d'accord, je garde les coudes déverrouillés. Et là, mon buste va aller en avant pour amener le buste vers le sol et remonter sur une pompe. Donc faites des tout petits mouvements. Si vous ne pouvez pas faire des grands mouvements, on est sur les genoux de préférence. Je fixe les épaules en arrière, dos grandi. Ce n'est pas mes coudes qui vont vers l'arrière, c'est mon buste qui va vers l'avant, qui va me permettre d'avoir l'avant-bras toujours vertical. D'accord ? Ici, je me place, pompe, inspire, expire. Inspire, expire. D'accord ? Je reste fixé. Petite pompe s'il faut. Si vraiment vous n'arrivez pas à faire des pompes et que l'appui sur les poignets est difficile, vous mettez sur les avant-bras, vous vous placez et là vous faites des pompes scapulaires. D'accord ? Juste au niveau épaule omoplate. Ok ? Pompes scapulaires. Quand on a fini les pompes, on étire son dos, on se grandit, on relâche. On vient remonter ici. D'accord, et on recommence une deuxième fois. Ici. Voilà, on revient. Vous n'avez pas envie de le faire deux fois, vous arrêtez. Sinon, vous recommencez. Hop. Là, on va faire un enchaînement de mouvements un peu plus rapide que tout à l'heure pour bien tout enchaîner. On se stoppe ici. Flexion, extension. Flexion, extension. Flexion, extension. Okay. Je commence à chauffer tranquillement dans les cuisses. Ensuite ici, ouvre. Là, prenez l'option que vous voulez. D'accord ? D'un côté, de l'autre. Côté, de l'autre. Serrez bien vos abdos. Serrez bien dans les épaules, dans le dos. Vous grandissez. Ok ? Je me retourne. La planche ici. Là, je suis fixé. 1, 2, 3. 4, 5, l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, ici, je redescends, travail abdominal, inspire, expire, 1, 2, 3, 4, 5, le pont sur les épaules, enroule, monte, 1, inspire, redescend, enroule, monte, 2, 3, 4, 5, je me place ici, chaise renversée, serrée, jambes fléchies, jambes tendues comme on peut, on enroule, on déroule, on bloque, on enroule, on déroule, on bloque, 2, 3, 4, 5. On se place sur le côté, on fixe l'épaule, le bras, on se stabilise, la hanche, cercle, 1, 2, 3, 4, 5, change de côté, 1, 2, 3, 4, 5, de l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5, la nage de face, je me stabilise, je me fixe. On me place, épaule, omoplate. Nous grandissons les fessiers serrés, les jambes serrées, rétro de bassin pour ne pas creuser mon dos. Là, placé. 1, 2, 3, 4, 5 deux fois. 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Recommence. 1, 2, 3, 4, 5, change, 1, 2, 3, 4, 5, dernier, 1, 2, 3, 4, 5, on se remet de face, on se replace, ici, toc, toc, je place, rotation externe, épaule, grandi, fixé, alignement, jambes, buste, coude déverrouillé, inspire, expire, 1, 2, 3, 4, 5, et on allonge son dos, on se replace. Si vous voulez le faire une troisième fois, et ben vous remettez la vidéo et comme ça vous faites une troisième fois. Quand on a terminé, on se redresse gentiment. Pour le stretching, il y a une vidéo dédiée à ça, je vous en ferai une autre dans la semaine.
on déroule son dos, on se grandit, on étire la colonne, on relâche tranquillement. On a terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas, donc, comme je vous le disais juste avant, à aller voir la vidéo de stretch si vous voulez enchaîner avec du stretching. Merci en tout cas, bon courage à vous et puis toujours un peu de mouvement pour garder la forme. À bientôt.